Val d'Isère a accueilli en cette mi-mars la première opération caritative de la jeune association Red Bluge, basée à Bourg-Saint-Maurice. Objectif, acheter un fauteuil roulant à Raphaël, 6 ans, atteint de 3 maladies orphelines. Avec la complicité sur place de l'Avalin Greg Wagner, différents défis et animations ont été mis en place afin de récolter des dons. Le matin, rendez-vous pour tous les freestylers au Valparc, le snowpark de Val d'Isère, puis barbecue l'après-midi autour d'une énorme bosse pour les skieurs et du bassin rempli d'eau pour ceux qui ont osé le traverser les skis au pied. Fréquentation soutenue pour un élan de générosité qui a conforté les organisateurs. Pour le moment, c'est que du bonheur parce que les enfants s'amusent avec le water slide. On a des freeriders qui nous font une belle démonstration et il n'y a que du sourire, donc c'est vraiment que énorme. Ouais, en 3 semaines, on a fait vraiment des choses énormes grâce à tout le bureau, toute l'association, là, tous mes amis. Et Greg, Lionel, tout ça qui sont vraiment investis là-dedans. Donc ça aurait été dommage qu'il n'y ait rien, quoi. Dans le stand des t-shirts, tout est allé bon train. On a très bien vendu, on est content. Les gens sont là et on est bien ravis qu'ils soient motivés, qu'ils soient venus nous soutenir. On a tout public. Autant des jeunes que des moins jeunes, que des enfants, que tout le monde. Hommes, femmes, tout le monde vient acheter des t-shirts. Avec la tombola, ce sont plus de 1500 euros qui ont été ainsi récoltés. Le fauteuil de Raphaël en coûte 3500. D'autres animations seront programmées afin de continuer à récolter des fonds.